Hello tout le monde, dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais vous montrer 4 techniques pour réaliser une French parfaite, dont une pour les grandes débutantes. Alors on va tout d'abord parler de la base, donc vous avez le choix entre deux types de bases, soit une base rosée, donc moi j'utilise celle de chez Sephora, c'est le L04, donc ce genre de base est plus destiné aux French classiques comme celle-ci par exemple. Ou une base beige, donc moi j'utilise celle de chez Kiko. Donc celle-ci s'adapte bien par exemple si vous faites des French un petit peu revisités comme celle-ci. Voici le sommaire, je vais tout d'abord vous montrer la technique du patch, du scotch, du vernis et enfin ma technique spéciale pour les grandes débutantes. Pour les 3 premières techniques, j'ai tout d'abord posé 2 couches de ma base de chez Kiko. On commence avec la première technique, celle du patch. Donc il existe différents types de patch, je vous en montre ici quelques-uns. Donc vous en avez de forme triangulaire, de forme un petit peu abstraite, et enfin de forme ronde. Donc ça c'est pour la French traditionnelle. Donc je vais venir prendre avec une pince à épiler un patch, donc je le prends plutôt au milieu, je le centre et je le bloque avec mon majeur, puis j'appuie sur le côté avec ma pince. Ensuite je prends mon vernis et je vais venir suivre dans le sens de la largeur le patron, puis je l'enlève délicatement avec ma pince. Et je vais venir redessiner les bords de ma French, mais bon vous pouvez très bien passer cette étape et le laisser tel quel, ça ne gêne pas. Et enfin, j'applique une deuxième couche de mon vernis blanc. Et c'est déjà terminé pour cette première technique. On passe à la technique du scotch. Donc ça, c'est la technique que j'utilisais à mes débuts pour faire des French. Donc je vais venir découper un petit morceau de scotch de cette taille. Et avec un ciseau, je vais venir créer un arrondi. Donc pour cette technique, il faut vraiment que votre base soit bien sec. Moi, je vous conseille d'attendre au moins 20 minutes. Ensuite, je le pose sur mon ongle en le centrant et je chasse bien l'air, voilà, les petits trous d'air au niveau de la French. Et avec mon vernis blanc, je suis la longueur, donc comme précédemment. Et enfin, j'enlève très délicatement le scotch pour éviter d'attraper le vernis de base en même temps. Donc j'ai accéléré la vidéo bien sûr. Ensuite finalement je redessine les bords de ma French. Mais bien sûr vous pouvez aussi passer cette étape. Et voilà c'est terminé. À présent la technique du vernis. Donc ça c'est la technique que j'utilise tout le temps maintenant. Je la trouve vraiment très pratique. Pas besoin d'attendre longtemps que le vernis beige soit sec. Donc je prends le pinceau de mon vernis et je le racle que d'un côté afin d'obtenir une goutte comme celle-ci. Après cela, je pose mon pinceau sur mon ongle et je fais rouler mon doigt. Mon pinceau ne bouge pas, comme ça, ça me permet d'obtenir une ligne bien nette, bien définie. Ensuite là, comme ma ligne est vraiment trop droite, je suis obligée de redessiner les bords de ma French. Donc avec un vieux pinceau, je vais tout simplement arrondir les angles. Et voilà. Et finalement, ma technique pour les grandes débutantes. Donc là, c'est la technique au grand complet que j'utilisais vraiment à mes débuts. Donc je précise que je l'ai réalisée sur ma main droite, donc ma main non directrice. Alors, je n'ai pas posé de base, je fais directement ma French blanche. Donc là, j'ai choisi la technique du scotch, mais vous pouvez très bien utiliser celle du patch ou celle du vernis. Et en fait, en faisant la French avant, ça me permet de rectifier la partie blanche, soit en poussant avec mon doigt, soit avec une spatule ou un pinceau imbibé d'acétone par exemple. Et je viens seulement après appliquer ma base beige. Donc là, j'en avais mis un petit peu trop, donc c'est pour ça que je fais plusieurs allers-retours. Et comme vous voyez, on ne voit pratiquement pas que la base a été mise après. Finalement, j'applique une couche de top coat sur tous mes ongles. Et donc voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il aura pu vous aider ou vous donner des idées, que ce soit pour la technique numéro 1, 2 ou 3. Concernant la quatrième technique, je l'ai réalisée sur toute ma main droite. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le nail art, avec des petites astuces par-ci par-là.
Donc voilà, pour essayer un petit peu de me faciliter la vie. Sur ce, bah, moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à la fois prochaine. Ciao.